parlait des meufs de 30 ans qui ont fait de la mal à toute leur vie. À 30 ans, elles cherchent un sauveur. On appelle ça un Avengers. C'est un mec qui va la mettre ce pétrin en fait. Ensuite, quand je vois, frère, elles font la mal jusqu'à 30 ans et à 30 ans, elles veulent un sauveur. Hein. Mais à 30 ans, il n'y a personne qui veut d'elle. Elle est comme CR7 pendant ce mercato. Même Marseille, ils font pas d'offres. Ouais, même Marseille, ouais, ils sont tranquilles. Non, sans plus. Arrivé à partir de 30 ans, toutes ces stories, c'est du ménage, de la cuisine, de la nourriture, des recettes. Elle veut séduire. tu vas sur sa story à partir de 30 ans, que elle traîne avec ses neveux. Oula. Tous les jours, elle avec ses neveux, elle marche avec eux. Zaman envoie des sublis. Tu vois, Zaman, je pourrais être une bonne maman. T'es fou, ça fait dahak aussi les meufs quand elle va au resto avec un mec. Elle fait la meuf à manger soigneusement. Excuse-moi. 2 heures après, elle se mange une faciale. Que tout ce cinéma pour rien, oula. Tout ce travail en amont. Déjà, sur la taille de l'ourlet, j'ai rien dit. Mais c'est quoi ces pompes? Tu traques les Dalton? Après, Ousra, t'as vu ton salon d'esthétique et tout? Si tu veux, je te pousse, je peux te pousser, t'as capté? Je peux injecter des sous, moi j'ai les fonds en ce moment, t'as capté? Parti une semaine à Marseille, il revient à Paname, c'est pas, il parle comme les Marseillais? Eh, t'es des gains. Oh là, tu veux emboucaner ou quoi? Voilà. Ils existent. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 6900, en espérant que la FFA va bien, les choses se passent. Bon les gens, on va aider des gens dans le besoin, Inch'Allah. On va lancer une cagnotte litchi, je prends 48% des gains, je suis pire qu'un Uber. T'es pas content, Kassem Biller, les deux yeux de mon grand-oncle, ce chien. Tu viens 12 rue Marcel Samba à Vénitieux, digicode 22B16, premier étage, palier 2, il y aura 2 stones posées, tu toques 3 fois, t'ouvres, il y a 2 coffres. Fort, un avec les cagnottes litchi que j'ai couillé et un avec les cagnottes litchi que je vais couiller. Baraka City, un pied en Afrique, UNICEF, hein. Ton appart c'est Panama, t'as ouvert un compte bancaire Braiki Halib, hein. Tu fais plus de cagnottes litchi que la salade. Dans ton débarras, il y a 2 jet skis, 3 classés, 2 chiennes Sidaïque, 5 hommes, il y a un mec qui a déposé 5 hommes, il y a 3 smart for two, et qu'est-ce que t'as? Tu vas m'interdire de Gironde, c'est bien ça? Allez, ça. Quand t'es intentionné avec une meuf, à avoir ses copines, elle leur dit, ouais, moi, mon mec, je le tiens en laisse. Tu tiens ta grand-mère, regardez, tu me tiens en laisse. Oula. Et tu tiens qui en laisse, ta cousine? Oula. Salam alaikum les frères, laïjez comme ouais. 2 petites minutes, ouais. Le Urus du Chir qui a 3 hyènes et 2 pandas chez lui, Inch'Allah, il gêne, ouais. Et 2 scorpions dans la boîte à gants, je les ai vus. Ouais, s'il peut le bouger, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci, Chir, salam alaikum. 4h du matin, 2 mecs, 2 meufs, 2 VS2. Elle a fait des ballons toute la soirée. T'arrives vers elle, elle te dit quoi? Salam. Zama quoi? Je suis trop une meuf bien, il va rien se passer. Salam. Dis-moi pas Salem, va me faire une tête déjà, oula. Va me faire une tête déjà, va. Arrête, tu vas faire un narrateur déjà, oula. Mais le pire c'est quoi? C'est que quand elle te dit Salem, elle tend bien le bras. Salem. T'es en mode, je recontextualise, je suis une meuf bien, Salem. On a compris, oula. On a compris que tu t'es inscrite au cours d'arabe, on a compris. On a compris que t'as regardé une vidéo sur le dégel. On a compris. Oui, on a compris. Tout ça Dubaï pour les impôts. Vous avez bernier qui cousin? Là, Dubaï, c'était une bête de destination. C'était hella. Mais depuis quelques temps, ça casse les couilles dubaïens. Oh là, t'as même pas envie d'y aller, frère. Tu peux mettre un petit iPhone 13, s'il te plaît? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, tu veux quelle couleur d'iPhone 13, dis-moi, Inch'Allah. Détends-toi, ma race. Hein. Détends-toi, voilà. Tu mets la pression directement non. Sur le CLM. Pas du tout, moi, non, tranquille, il n'y a pas de souci. Là, tu m'envoies des sublis, tu veux quoi? Tu veux que je récite l'alphabet en arabe? Alif, non. Bata, tu pas veux... besoin, subhanallah. Tu peux m'appeler un autre vendeur, s'il te plaît, Maros. Voilà. Pourquoi un autre vendeur? C'est bien, on est ensemble, on va gérer ça ensemble. À la barakatchila. C'est quoi, t'as préparé d'une semaine derrière? Tu veux nous montrer? C'est quoi? Non. M'appelle. Garantie, t'as capté? Je veux juste savoir, ça. Par exemple, si je rentre, tu m'attends ou pas? Si je rentre. Si je vois Habs, tu m'attends? Wesh Sabri! Wesh! Je vais t'en sortir un petit fer là! Ouais, je me suis fait plaisir! Hein. Voiture de scélérat! Hein. Ouais, Pierre S4! Voilà, c'est le phase 1! Ouais! Ah oui, je savais, voilà! Ça se revend pas ça, poteau!
Voilà. J'ai un pantalon dans un garage, je me dis c'est dur à la vente, hein, RS4. Ça décode vite, hein, ça. Ouais, mais c'est une bonne voiture quand même. Ouais, c'est une bonne voiture, là. Ouais, ça tient le pavé, frère. Tu es contrôlé à tous les coins de rue. Voilà. C'est quoi, je fais les chapeaux ou c'est quoi? Voilà. Les gens, ils croient que t'es chargé à chaque fois que tu roules. Ça y est, poteau, c'est pas une vis, hein. Vas-y, le rock, Salem. Et va doucement sur les chefs là, voilà. Vas-y. Casse-toi avec ton RS4, voilà. Jamais le revendre sur RS4.